Et salut Nagui, est-ce que tu me reconnais? J'ai perdu quelques cheveux et des abonnés. Entre temps j'ai beaucoup dormi et un peu charbonné. Même ceux qui m'aimaient pas se demandaient quand est-ce qu'on revenait. La musique avance, les gens oublient, c'est inévitable. Big Flo et Oli remplacé par Slimane et Vita. J'ai plus traîné à Palavas qu'à Panama, mais je regardais Taratata le soir tout seul sur mon canapé. Ouais. En même temps j'étais pas mal dans ma retraite. Trop peur de faire un scandale, même quand je dis rien je regrette. Ils ont tous fait des posts et des jolis discours. Entre deux codes promo, une story pour les Ouïghours. J'étais pas là, c'était une sorte de mise à jour. Comme on a pris une pause pendant 2 ans de tout, on s'est coupé tout. On s'est dit ça peut être marrant d'évoquer tout ce qui s'est passé depuis la pause pour montrer aussi aux gens qu'on a vu tout ça quoi. Et qu'au final, parfois quand on prend du recul, on se rend compte que c'est pas si important les choses qu'on rate. C'est ça le message. J'étais pas là, mais j'ai rien raté. À qui j'ai manqué, qui pensait à moi. Quelqu'un sait où on va. J'ai l'impression qu'on est tous paumés. Longtemps que ça nous pendait au nez. Aujourd'hui un jour les étonnés. Tout le monde. J'étais pas là, mais j'ai rien raté. À vous. Mais j'ai rien raté. J'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas là, c'était ça a été un gros chantier. Parce qu'en fait à chaque fois on mettait un peu plus de temps. Donc il y avait certaines références qui commençaient à dater un peu. On disait c'est pas du tout dans l'actu, on devait l'enlever. Donc il y a eu toute une prise de notes. On a fait un petit récap de tout ce qui s'était passé durant l'année là. On est dans une société aujourd'hui où on est dans surinformé, il y a beaucoup d'infos, tout est un buzz, tout dure 2 jours, ça parle beaucoup. Mais au final, quand tu prends du recul, tu t'en vas et que tu reviens, tu te rends compte que t'as pas raté grand-chose. Enlevez internet aux boomers et enlevez les tablettes aux bébés. Remettez le mec plomb sur les malabars. T'as vu que je suis moins moche, j'ai fait pousser la barbe. Pendant la pause, j'ai eu le temps. Ah ouais, j'ai fait 10 000 vidéos pour vos petits frères et pour vos neveux. Quoi? Par contre, message à tous les étudiants. Tous. Mais j'en ai rien à foutre de vos BDE. On a bien avoir plusieurs versions de même morceau. Et il y a des inspirations quand même latines dans le morceau. Donc là, on a quand même carrément rajouté les timbales, la guitare. Flo jouait les timbales, pour la trompette. Et on était heureux de cette version-là aussi qu'on avait fait acoustique. On aime bien prendre un morceau et le décliner. Je trouve que les paroles, des fois, tu te les prends plus quand il y a un peu moins de musique derrière. Là, on voulait accentuer le côté live pour donner envie aux gens de venir nous voir en concert, etc. Donc ouais, on aime bien revisiter nos plats, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ?